Ok. Tout ce qui t'intéresse, c'est savoir si je rentre des thunes, non. Si je t'avais répondu oui, tu m'aurais dit tu mens. Je suis pas une grosse tache en costard. Je peux pas te vendre du rêve. Là où je vis, ça fait vilain sur la carte postale. Je travaille pas mon image, car au final, on finira au minima dans l'anonymat. Jamais une victime du rap, un viking du mal. Pour l'instant, je flingue seulement en style scriptural. Ma vie, c'est une journée sans fin. Bientôt 30 piges, et je vois toujours les mêmes tourner en chien. Alors celle-là, c'est juste pour les anciens. Les jeunes, ils capent plus rien. Même les oreilles collées sur les enceintes, rien qui se plaigne, ils jouent les gens du malheur. Une tarte derrière les oreilles, les pendules à l'heure. Tu niques tout, tu niques rien, en fait tu niques toi-même. Ça fait de la peine comme les gamines qui font les petites Wallen. Le temps passe, et je rattraperai pas mes années. Je retrouverai pas mes amis, c'est loin, et j'en bave. On vieillit, et l'avenir est intransigeant. Tu perds des êtres chers, ton meilleur copain prend 10 ans. Et pour les autres, on se voit toujours sur les parkings. À refaire le monde, perdre sa vie, être un artiste incompris. Bien qu'on ait jamais un ton triste, cherche pas à t'attendrir ni de vendre de la merde à bon prix. Toujours un skeu du Queens dans le poste. Loin d'avoir la Rolex que le président porte. Que le diable emporte. C'est son rêve qu'on l'enchaîne dans une cave et qu'on l'étrangle avec des câbles en toque. MC, c'est le statut qu'on m'attribue. VRP, ça c'est juste le nom de ma tribu. J'ai fait du bruit dans l'industrie, bien qu'on me connaît pas. J'arrive d'une région minière, rescapé je n'ai pas. Toi si t'as pas connu le Walkman à cassette. Bienvenue là où la simplicité prime. Je suis reconnu dans le style, j'ai commencé le rap, passé pas le buciment. À l'époque où cet art s'arrêtait au freestyle. Bye. Sur ma place dans le rap français, j'en ai plus rien à battre. Celle-là c'est juste pour les anciens. On a grandi avec du Black Moon dans les oreilles. Persuadé qu'on pourrait jamais nous voler nos rêves. Bientôt les gamins nous passent devant et c'est déjà plus de mon âge. J'arrive déjà pas à mettre des fûts trop larges. C'est pas pour toi si t'as pas connu le Walkman à cassette. Malcolm X avec Denzel, Angela Bassett. Les survêtements troupes, les vols à l'esprouf. Les mecs troupes, la mode des holsters et des poulettes proof. Et si t'es foulette proof, y'avait de la roulette dans les câbles. Quand c'était très rare de croiser un trap. Pas trop de fashion ni dans les copes nazis. 88-95 c'est une époque classique. On t'a rosé si t'as pris de la coke ou des acides. Sous-effectif de police, le braco ou les assises. Do the writing, la fin d'IPMD. Le studio DND, les concours DMC. Les clashs de MC, rapline sur MC. La hagra sur MZ, j'arrêterai là c'est déjà très large. Aujourd'hui on a du mal à trouver notre chaise. Travaille sur nous-mêmes pour pas tomber dans l'obscène. Mais pas LCI mais une autre chaîne. Sinon je fais un carnage à Neuilly dans les hautes scènes. Au bout du rouleau, certains y trouvent la mort au bout du goulot. Autant faire sauter Laurent Bouno. Si tu veux je te trouve du boulot. Négro, pico, tous sur la même ligne. On a une sale répute comme la ligne 13 du métro. Je suis un arabe mais j'ai pas l'ivresse du pétrole comme W. D'ailleurs celui-là qui crève, qui s'étrangle. Je deviens hard comme la vie à Bagdad. Ou les pays où les gens crèvent pour un casse-dalle. C'est mon devoir de mémoire. Ce qui est fini je ressasse pas. La Shoah, l'Algérie, l'esclavage commence à se battre. Ils font crier nos différences, j'ai qu'un seul ennemi. Et la vérité qui dérange, mon respect aux gens vrais. Aux anciens qui instruisent les jeunes à être des gens bien et non pas des street legends hardcore. C'est le mot d'ordre de base, à condition que tous les frères ne débordent pas. Le hip-hop, c'est un média mal géré qui devient une maladie. On fait des efforts graves, mais tu vois pas la vie. Toi si t'as pas connu le Walkman à cassette. Bienvenue là où la simplicité prime. Je suis reconnu dans le style, j'ai commencé le rap, passé pas le buciment. À l'époque où cet art s'arrêtait au freestyle. Sur ma place dans le rap français, j'en ai plus rien à battre. Celle-là c'est juste pour les anciens.